Salut les amis, c'est Oxy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Scrap Mécanique, plus particulièrement pour une visite de map. Alors la dernière visite de map que j'ai fait sur la mini city vous a extrêmement plu, donc je tenais à vous en remercier. D'ailleurs je remercie Spycake, Oxy qui m'a mis un petit commentaire et tout, ça fait extrêmement plaisir. Je vous remercie pour tout votre soutien, pour tous les likes que vous avez mis sur cette vidéo. Et écoutez, je crois qu'on a fait un peu plus de 3000 ou 4000 likes, donc je vous invite à battre ce record. On va faire un petit 5000 likes, je compte sur vous, je sais que vous pouvez y arriver. Alors en tout cas, aujourd'hui on se retrouve sur une map qui a été créée par GamingSkill, qui est une villa. Alors certains d'entre vous auront peut-être déjà vu sa villa dans ses vidéos. En tout cas, personne d'entre vous n'a pu la tester, puisque GamingSkill n'a donné le lien de la map pour la télécharger qu'à moi. Et donc du coup, ça fait plaisir d'avoir une exclusivité de cette envergure. Et écoutez, on ne perd pas de temps, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, à partager la vidéo et vous abonner à la chaîne. Et écoutez... c'est parti! Je tiens à dire que le lien de la chaîne de GamingSkill est dans la description. Donc GamingSkill, merci à toi, merci l'ami, ça fait extrêmement plaisir. Donc allez vous abonner à sa chaîne, c'est mérité, comme d'habitude. Alors donc, quand on arrive dans cette petite villa tranquillement posée au-dessus de sa montagne, eh ben on la voit pas tout de suite, tu vois. D'abord on a accès à une petite serre super mignonne. Alors j'ai pas visité la map, hein. J'ai gardé le secret, voilà, je découvre avec vous. Parce que j'avais pas envie de me spoiler tout simplement. Alors on peut voir que ça fait un petit peu de bruit par ici. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, donc ça c'est des ventilateurs, on dirait. Ah mais que fait-il pousser ici? Mais c'est de la beuh! Mais c'est de la beuh! Non. Bah alors GamingSkill, on nous dit pas tout. Excellent. Donc ah, la petite radio et tout. Donc la petite serre dans laquelle il fait pousser ses fleurs, hein. Super mignonne, ok, donc ça je sais pas trop à quoi ça sert. Super joli, hein, super bien fait, regardez le détail. Oh là il fait pousser de l'herbe. Ok, super. La petite serre super mignonne, super bien fait. J'aime beaucoup la petite serre, en plus elle a un design. Elle a un de ses designs, on va pas se le cacher. Elle est plutôt cool, hein, elle est plutôt sympathique. Alors là je sais, vous vous dites, mais aussi on veut voir la villa. Elle est là, regarde, elle est juste en bas. T'as envie de la voir? Eh ben tu vas attendre un petit peu, puisque là ici on a... un petit cabanon de jardin où il pose tous ses outils, etc. Je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Donc là, il a ses engrais. Là, il a ses livraisons Colissimo. Et là, il a ses bottes. Ça, c'est sa ventoline. Et là, un râteau. Ici, une pelle. Là, des colorants alimentaires. Et une plantation de cactus. Ça fait plaisir. Alors, super sympa aussi le petit design. Regardez avec les... Les trucs arrondis là, je sais plus comment ça s'appelle. Oh là, il a un récupérateur d'eau. Il récupère l'eau de pluie. C'est bien. C'est bien pour l'écologie ça. Comme ça après il arrose sa beuh avec. Alors là-bas on a une petite cabane dans un arbre pour les enfants. Voilà, hein, pour les enfants. Oui voilà, tu la vois. Tu la vois la villa, regarde elle est belle. Mais on n'y va pas tout de suite. D'abord on va aller là-dedans. Est-ce qu'on peut monter là-dedans? Ah mais c'est un What? Oh mais excellent. Alors en fait c'est une échelle. À quoi sert ce bouton? C'est un méta-génie! Ok, j'ouvre la porte. Yes! La petite cabane! Alors, cette cabane-là, on aurait tous voulu la voir quand on était petit. Alors, par contre, je comprends pas pourquoi il y a un biberon. Ne laisse pas un enfant de moins de 4 ans seul dans cette cabane! Sinon, il va mourir! Oh, c'est moi où il y a une piscine? Bah, c'est une drôle de piscine, mais... Alors, là, on a les petits sièges, voilà. Waouh, comme ça, on peut admirer le paysage magnifique. Eh, elle est super belle, cette cabane. Regardez-moi ça. Regardez, elle est incrustée dans l'arbre, c'est... Waouh! Waouh! C'est génial! J'ai cru que j'allais tomber, c'est pour ça que j'ai fait... C'est génial! Donc, petite radio et tout ça, super cool. Super sympa, super beau. Waouh! Je suis totalement impressionné. Encore des fleurs, super sympa. Alors, là, on va redescendre. Waouh! Ah, comment c'est cool. Alors, la descente, ça force un petit peu. Voilà, c'est bon. Super, on est descendu. Bah là, maintenant, on va pouvoir aller explorer cette magnifique villa, hein, qu'on a toujours pas pu voir. Alors là, on a le quad que je vous avais présenté dans le dernier top 10 qui est sorti, d'ailleurs. Donc, un super quad qui marche super bien. Oh, comment elle est belle. Comment elle est belle. Mais quelle villa, mes amis. Mais quelle villa. Alors, attendez, avant de rentrer... Regardez, là, déjà on voit les éclairages. Waouh, par contre, quand t'arrives près de la villa. Waouh, le 10 FPS. Oh. Ok. Quand tu t'en as. Alors, il m'a dit, je crois que c'est ce petit passage-là qui fait mal. Je sais pas, on va voir. On va s'approcher. Si jamais ça bug de trop, je ferai une ellipse et je vais baisser les graphismes. Ok, ça.
Ça bug! Ça bug! Oh! Ok, bon bah écoutez les amis, j'ai pas le choix d'être à 10 FPS. Donc on va faire avec. J'espère que vous allez vous y habituer. Moi, j'espère aussi m'y habituer. Parce que c'est pas très fluide. Donc du coup, je vais essayer de bouger pas trop vite. Histoire qu'on voit bien quand même. Et qu'on croit que ça lag pas. Je vais essayer de faire un truc stylé. Donc déjà, on arrive dans une entrée magnifique. Regardez l'arbre. L'arbre qui est super bien fait. Tiens, d'ailleurs, je vais pouvoir faire ça. Hop, voilà, super, comme ça. Comme ça, on n'a pas les menus. Waouh, la superbe entrée, c'est magnifique, regardez-moi ça. Hop. Le toit est complètement ouvert, c'est génial. Waouh. Ok, donc la porte derrière nous se referme toute seule. Parce que... je crois. Oui, je crois, c'est pas grave, je ne sais pas. Ah, on va ouvrir cette porte. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, alors ça a l'air d'être le garage. Ok, donc déjà, première chose que je visite, c'est le garage. Ok, très bien. Donc, c'est bien aménagé, hein. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Ok, machine à laver, sèche-linge, tout ça, on connaît. Ça, c'est sans doute le chauffe-eau, un sacré chauffe-eau. Hein. Là, avec ça, t'as de l'eau chaude pour 50 personnes, il n'y a pas de problème, t'es pas obligé d'attendre une heure de le faire chauffer. Tu connais cette galère, toi, qui est en appartement? Alors, ensuite... ici, on a un garage. Waouh, il est super grand. Il est super grand. Alors, je vais pas tenter d'ouvrir cette porte. On sait tous que ça va s'ouvrir. Mais étant donné que ça lag, ça va surtout être une grosse perte de temps de l'ouvrir. Hein. Du coup, je vais être assez minimaliste sur la visite. Mais on ira quand même dans les détails. Alors, là-bas, a priori, on a accès à autre chose. Une autre pièce. Alors, il y a plein de pièces. Il y a plein de pièces. On ne sait pas où donner de la tête. C'est totalement incroyable. En plus, avec ce magnifique lag. Alors. Tac. Voilà. Alors, ah, une terrasse. Une terrasse, c'est ça? Ah non, c'est un autre endroit du garage. Ok. Ok, magnifique, magnifique. On a accès à un autre endroit. Un autre super endroit de cette maison. Alors, donc, du coup, on va avancer. Voilà, je vais sprinter un peu. Tac, 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 tac. Alors, donc, quand on revient dans cette pièce, ici, on a autre chose. Enfin, quand on revient dans le... oh, la porte, ok. Oh. Alors, des toilettes. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on a par là? Eh, mais regardez, les murs, ils sont... il y a de l'herbe dessus. Ah, c'est une maison écologique en plus. C'est une maison écologique. Waouh, mais il y a accès à trop plein. Oh, une pioche Minecraft, excellent. Excellent, ça j'aime. Ça j'aime. Regardez les marches. Les marches, comment elles sont stylées. Comment elles sont stylées de ouf. Alors, là-bas, on peut voir, ok, des rochers, très bien. Alors le truc c'est que là j'ai l'impression que je vais me perdre je ne sais où dans la maison. Je vais me retrouver dans des endroits totalement incroyables. Waouh, le niveau de détail. Hop, le petit poster ici. Ok, donc là on se retrouve à l'étage. Ok, d'accord. Alors j'aurais bien aimé voir le rez-de-chaussée avant de me retrouver à l'étage. Mais bon, c'est pas grave, du coup maintenant qu'on est à l'étage, on va explorer l'étage, hein, écoutez. Donc là on a des couloirs. Mais waouh, franchement. Eh, moi je veux bien la même dans la vraie vie, hein, mais sans le lag. Hein, je veux... sans le lag, ça m'arrangerait. Alors, vas-y, ouvre ça, super. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Rien, a priori, ce n'est pas fini. Ok, a priori, c'est une pièce qui n'est pas encore terminée. Donc, on va pouvoir aller explorer le reste, hop. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Là, on a une porte. Alors, vers où mène cette porte? Sans doute vers une chambre. Oh là là, on a encore une pièce là-bas. Oh, sympa, ça. Super cool. Qu'est-ce que c'est? Un ascenseur? Il y a vraiment un ascenseur dans cette maison? Mon dieu. Là, qu'est-ce qu'on... waouh! C'est une salle de jeu! Regardez les bornes d'arcade! Là, on a un baby-foot! Attends, déjà, là, le petit bar, ça m'intéresse. On a un peu de tout. Hein. Le bar, super... la machine à café! La machine à café! Waouh, excellent! Super cool! Donc là, on a le baby-foot qui est... il est trop bien fait, le baby-foot! On a presque envie d'y jouer. Ah, il a mis le nombre de... alors, il manque les... oh, excellent. C'est presque en vraie taille. Ah, mais non. Attends. Mais si, c'est bon. Il y a tout bien. Il est aux bonnes dimensions. Ah, là, on a une autre bande d'arcade, là, avec les deux boutons sur les côtés, là. Les trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire. Je sais plus le nom. Là, on a un billard. On a un billard. Il est super beau, ce billard, aussi. Et ici, on a les cannes. Voilà, bien sûr. Ah, a priori, on peut ouvrir ça pour prendre la canne et tout. Bon, on va pas l'ouvrir. On n'a pas besoin. Waouh, là on a l'air d'avoir une terrasse. Oh, les petits sièges et tout. Attends, moi je vais aller sur la terrasse. C'est quoi ce bouton? Oui, ça ouvre la terrasse. La terrasse. Waouh.
Oh, les petits transats et tout. Et on a un barbecue. Regardez, un barbecue à gaz, a priori. Waouh. Super beau. Super beau. Je suis vraiment désolé pour le lag, hein, les amis, par contre. Ah, j'avais pas vu, regardez les hublots. Ah, il a la fenêtre au-dessus. Et la lampe, là, qui tourne. Et regardez les lampes, là, sur pied. Oh là là, oh là 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 là, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Alors du coup, on va pouvoir aller explorer le reste. Là ici on avait cette porte là, qu'on se demandait où ça menait. Voilà, super. A priori, dans une salle vide pour l'instant. Dans une salle vide pour l'instant, ok, très bien. Donc ça je pense que ça va être aménagé par la suite, hein. A priori la maison n'est pas terminée. Non, pas terminée du tout, à mon avis là on est dans une zone de travaux. Mais regardez les murs, regardez les fresques et tout, waouh. Eh, mais dis-moi Gaming Skill, dans la vraie vie, tu ne serais pas architecte par tout hasard? Parce que mon dieu, parce que c'est magnifique, moi je serais toi, je ferais les plans de ma maison. Tu veux pas me faire les plans de ma future maison un jour quand j'aurai beaucoup d'argent? Regardez, il y a un lézard. Un gecko. C'est un gecko, oui, maintenant je sais ce que c'est un gecko. Dédicace à toi Laetitia. Alors, du coup, ensuite, on va aller là. Allez, ouvre-toi. Non, ou plutôt... Ah, ok, mon pointeur n'était pas du tout au bon endroit. Encore une pièce en construction, très bien. Avec une petite terrasse là-bas, etc. On va pas y aller, hein, parce que c'est en construction. Donc, on a un gecko ici, il est magnifique. Il est vraiment trop beau. Il est vraiment trop trop beau. En fait, tout est beau. Tout est beau, c'est vraiment incroyable. Qu'est-ce qu'on a ici? Une salle de... La pièce gamer. La Xbox première du nom. Ah non, ça c'est la Xbox One. Non, la Xbox One elle est blanche, ça c'est la vraie Xbox. C'est la première, c'est celle que j'avais quand j'étais plus petit. Ça c'est la... Alors, soit c'est la PS3 ou la PS4. Mais en tout cas, ça c'est la première Xbox. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça c'est une sacrée télé, hein, on va pas se le cacher. Là, on a le PC gamer. Sur le clavier, c'est marqué danger. Donc faites attention, n'allez pas sur un PC sur lequel c'est marqué danger sur le clavier. Ok? Donc les écrans et tout sont super bien faits. Ils sont excellents. Waouh, franchement, c'est impressionnant. Il n'y a pas d'autre mot en fait. C'est hyper impressionnant. Là, on a l'épée en diamant qui est magnifique. Alors du coup, on va pouvoir descendre en bas. Hein, on va redescendre. On va aller. Oh, le Pikachu, je l'avais pas vu. Énorme! Énorme! Eh hey, mais c'est pas le Pikachu qui se déplace celui-là, normalement il y a un bouton à l'arrière de ce Pikachu. Alors attends, j'aurais pas la patience de faire le tour du Pikachu. Alors, on va regarder, tac, tac. Ah non, il n'y a pas de bouton sur ce Pikachu, ok, autant pour moi. Alors là, on arrive dans le salon. Waouh. What the fuck. Ça c'est stylé. Ça, on va pas se le cacher, c'est stylé, je veux la même chose chez moi. Alors, le salon. Le fucking... Salon, regardez-moi ça, la cheminée qui est magnifique, là le canapé, bon, rien à dire, hein, rien, oh, mais c'est incroyable, franchement c'est incroyable, c'est, mais combien d'heures y as-tu passé, sachant que tu joues à 10 FPS sur cette map? Imaginez les amis, le nombre d'heures qui ont dû être passées pour faire ça, mais c'est ouf. C'est ouf, il a fait tout un let's play sur sa chaîne où il est en train de créer cette maison. Waouh, la terrasse et tout, mais... Waouh, tu sais pas où donner de la tête. Franchement, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. T'as envie d'y habiter. C'est ouf. T'as envie d'y habiter. C'est vraiment incroyable. Alors, ensuite, la table et les chaises, mais... C'est moderne, c'est beau, moi j'aime. J'aime la cuisine. En fait, là, j'ai l'impression de faire une visite d'une maison que je vais acheter et que je suis en mode « Je la veux !» Franchement, je vous le dis, c'est ouf. C'est ouf. C'est vraiment ouf. Le four et tout, waouh. En fait, je suis vraiment là, et c'est sincère, mais je suis réellement impressionné. Je suis réellement hyper impressionné. Regardez le frigo. Waouh. Mais waouh. Ça, c'est encore un four ou un micro-ondes, je sais pas trop. Ça, c'est le four. Ça a l'air d'être un micro-ondes, je sais pas. Là, c'est un réfrigérateur, enfin, un congélateur, plutôt. Waouh, c'est vraiment incroyable. C'est fucking incroyable. Là, on a une sorte de couloir. Ok, donc ça nous permettait de descendre de l'autre côté.
Et ça, normalement, ça ramène vers l'entrée. Si je me trompe pas, ça a l'air d'être ça. Alors, attendez, on a une pièce ici. Scrap. Pff, oh là là. Tout est bien fait, même cette écriture, là. Putain. Oh, la chambre. Bon, après, je suis pas trop fan du violet, mais... Mais c'est stylé quand même. C'est stylé quand même. Ok, donc là, petit armoire. Le lit qui est totalement incroyable. On peut dormir à 10 dedans tellement il est grand. La salle de bain qui est juste derrière. Ok, ça c'est un peu moins esthétique, mais bon, après... Ah non, là, ça tout de suite. Là, c'est plus esthétique. C'est une sacrée douche. Ça, c'est de la douche. Ça fait la taille d'une chambre. La douche fait la taille d'une chambre. Mon dieu, quoi. Mon dieu. Alors, attendez, on va aller du coup par là-bas. Mais je crois que du coup, on a fait le tour de la maison. J'ai sans doute loupé des trucs. Alors, on va pas se le cacher, mais ça lag tellement que... En fait, je suis content, tu vois, de ouf de visiter cette maison. Mais ça lag tellement que j'ai mal à vos yeux. J'ai mal pour vos yeux. Ouais, on a fini de tout visiter. Du coup, on va aller par là-bas. Ah, mais non, on pouvait monter à l'étage, c'est vrai. Ah, on pouvait monter tout en haut. Faut que j'arrive à prendre l'ascenseur. Il faut que je trouve l'ascenseur. Il y avait un truc tout en haut, il y avait un hélicoptère et tout. On n'a pas fini du tout. Mais là, il y a une pièce qu'on n'a même pas vue. C'est... Alors, soit c'est une salle pour écouter sa musique, soit c'est une salle de cinéma, soit c'est une autre salle de bain. Ça a plutôt l'air d'être une... C'est un hammam. Oh, énorme. Et ça, c'est un fucking jacuzzi, quoi. Il y a de l'eau. Et est-ce que c'est vraiment de l'eau? Non, c'est pas vraiment de l'eau, mais c'est stylé. C'est stylé. Là, il y a les petites lampes et tout. Ah, j'avais pas vu cet endroit. Donc là, on revient au salon. Il faut que je trouve l'ascenseur. Oh, le piano, excellent, j'avais pas vu. J'avais pas vu, mais regardez sur le mur, là-bas, on a une horloge qui tourne. Et en fait, c'est à ça que servaient les systèmes qui sont par terre. C'est génial. Alors, j'avais pas vu, là, on a une terrasse. Regardez la baie vitrée, comment elle s'ouvre. On a une terrasse avec une piscine. Voilà, la fameuse piscine. Ah, on la cherchait. Une villa sans piscine, quand même. Vous imaginez une villa sans piscine, c'est pas possible. Alors, du coup, l'ascenseur marche pas. Donc, je vais monter comme je peux à l'étage. Okay, du coup, j'ai réussi à monter à l'étage. Et ben, on peut voir qu'il y a vraiment un hélicoptère. On a vraiment un hélicoptère qui est super sympa. Et on a un truc ici. Alors, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Je me le demande, hein. On va voir ça tout de suite. Qu'est-ce que c'est? C'est beau, en tout cas. Ça donne envie d'appuyer sur les boutons. What? Qu'est-ce que c'est? Wouah! Waouh! Quelle ouverture! C'est incroyable! Ah, et là, on a l'ascenseur. En fait, c'est qu'il était en haut. D'accord, donc l'ascenseur est utilisable. En fait, il était juste utilisé. Hein, voilà. Ok, d'accord. Ok. Bon, bah écoutez, les amis, en tout cas, on va déjà se laisser ici pour cette visite de map sur Scrap Mécanique. Alors, malgré les lags, j'espère quand même que ça vous aura plu. J'y pouvais rien. Hein. Vous savez très bien, Scrap Mécanique commençait assez mal optimisé quand on pose des blocs. En tout cas, cette villa est totalement incroyable. J'espère que vous l'avez trouvée incroyable. Et si c'est le cas, bah n'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter, à partager la vidéo et vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Vous pouvez me suivre aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat, tout est là sur les côtés. Donc en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, et bien allez, salut à tous, Lexia, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!